Bonjour à toi, et bien grand bonheur aujourd'hui que je vais te montrer grâce à la pluie tout simplement. Grande pluie qu'on attendait. Alors en même temps que je te parle, tu peux peut-être entendre les oiseaux. Alors c'est un phénomène assez intéressant, c'est que à la fin de la pluie, et bien les oiseaux là ont subi des averses hein, et les oiseaux en fait ils chantent. Et tu peux voir donc la maison, et bien tu vois qu'elle est un peu mouillée. Grâce aux averses, donc elle sèche parce qu'il y a du soleil en même temps. Hein. Mais franchement, il est bien, bien tombé. Et alors, pour t'illustrer à quel point c'est tombé, je te montre ce verre. Alors, ce verre, voilà, celui-là, voilà. Un beau verre d'eau, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est un dos, c'est un, pardon, un verre rempli d'eau de pluie. Et bah, tu peux voir, attends, je me mets comme ça. Tu peux voir qu'il est quasiment plein. Oups, pardon. Il est pas quasiment plein, mais il est rempli aux deux tiers, quoi. Donc ça, c'est ce qui est tombé en une nuit, là. Donc malheureusement, je sais qu'il y a eu pas mal de gens qui ont subi des orages et qui ont pu avoir de la grêle. Donc je suis vraiment désolé pour vous si c'est le cas. Mais en tout cas, ici, on a eu de la chance. On n'a pas eu de grêle, on n'a pas eu d'orage vraiment trop violent. Hein. Il y a eu du vent et de la pluie. Et donc là, voilà, toute la végétation reverdit. Les oiseaux chantent, ils sont contents. Les plantes poussent, enfin voilà, c'est génial, c'est que du bonheur. Puis, alors j'ai pas regardé la météo, je sais pas ce qu'il prévoit, mais en tout cas, je suis vraiment très heureux. Donc grande joie d'actualité, hein, c'est vraiment, c'est du journalier, et donc c'est ce qui se vit en ce moment. Et cette joie peut sembler banale, c'est vrai, on se dit, bah oui, il pleut, bah c'est chouette. Mais non, franchement, c'est vraiment, c'est waouh, quoi, parce que on n'avait pas d'eau, quoi. On était en très très grande sécheresse. Les arbres commençaient à sécher. J'ai vu des acacias, alors pas sur mon terrain, parce que la forêt les protège, et ils sont mieux nourris, mais il y a des endroits dans des haies où des acacias commencent à jaunir, où on voit des feuilles qui jaunissent. Les feuilles de certains petits arbres sur mon terrain qui se froissent, qui se replient sur elles-mêmes, tellement ils sont en douleur, en fait, hein, qu'ils se protègent. Donc c'est vraiment une très très grande joie que je te partage. Voilà, je te souhaite une belle journée. Et je te dis à demain pour notre vidéo. Au revoir.